Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez bénis ce soir. Recevez nos salutations fraternelles chez vous. Nous osons croire que le Seigneur nous a tous réveillés et que nous bénissons de cette merveilleuse journée avec son soleil éclatant. Alors, soyez bénis. Nous sommes là au rendez-vous pour notre émission Éco-Pasteur, Éco-Épouse de Pasteur, Éco-Pasteur. Ça fait belle lurette, nous ne sommes plus rencontrés. Alors, ce soir, nous sommes là et le Seigneur nous a bénis avec deux dames, deux belles dames, épouses du pasteur avec qui nous allons échanger. Alors, vous ne serez pas déçus. Alors, mes chères mamans, présentez-vous. Je commence par la droite, oui. Oui, je réponds au nom de Madame Pasteur Khalifa Charité. Merci. Oui, nous sommes tentés. Nous avons curieux de savoir, vous êtes l'épouse du pasteur Khalifa, oui, c'est quelle église, votre dénomination et votre église en charge. Oui, nous sommes en poste de l'église des Aïe de Ukao. Merci, madame, église assemblée de Dieu, Ukao. AD, ça veut dire que assemblée de Dieu. Alors, à ma gauche, j'ai notre sœur fille, sœur collaboratrice de travail, oui. Moi, c'est Rachel Liusu Elemiasi. Je suis l'épouse du pasteur Elemiasi. Nous sommes en service dans l'église des Assemblées de Dieu de l'Ankoubi-Cité. Mais je suis également dans le monde professionnel. Je suis responsable en assurance qualité au corps de la paix à Lomé. Merci. Je précise que Madame Khalifa aussi, je vais vous dire qu'elle est spécialiste en intelligence spirituelle. Et vous allez le découvrir. Et chez vous, et les pasteurs, nous rendons grâce à Dieu. Les pasteurs vont bien. Nous allons bien. Les églises vont bien par la grâce de Dieu. Les membres vont bien. À cause des membres aussi, nous sommes là. Et à cause de nous aussi, ils sont là. Après vos familles, j'espère que les églises vont bien. Alors, soyez bénis. Ce soir, oui, je salue affectueusement tous nos téléspectateurs et surtout ceux qui aiment bien notre émission Éco-Pasteur, que ce soit épouse ou époux, Éco-Pasteur, soyez bénis et que ce soir, vous ne serez pas déçus. Nous avons choisi un thème et le thème sera affiché tout à l'heure sur les écrans. C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble interpelle chacun de nous. Nous sommes dans un monde où, je pense que c'est Rousseau, que l'homme n'est bien, c'est plutôt Hobbes qui dit que l'homme n'est bien, c'est la société qui le corrompt. Et Rousseau de dire que l'homme n'est bête, état bestial, et c'est la société qui lui donne un sens. La société dans laquelle la personne naît, c'est cette société qui fait d'elle la personne qu'elle veut. Alors, de ces deux positions, nous allons voir la partie biblique. Alors, le vivre ensemble pour une vie épanouie et une fin glorieuse. Si nous voulons vivre ensemble, c'est que l'homme est appelé à vivre ensemble. C'est pourquoi Dieu, en faisant, comment l'appelle-t-on, Adam, il n'a pas voulu que Adam soit seul. Il a fait Ève pour l'amener. Que ce soit au foyer, que ce soit au sein de l'église, que ce soit dans le quartier où nous vivons, que ce soit dans le pays où nous sommes, nous avons l'impérieux devoir d'être ensemble et de vivre ensemble. Alors, comment cette vie d'ensemble peut nous amener à une fin glorieuse? Puisque de tout cela, nous aurons à rendre compte. Il y a une fin. Que ce soit l'un ou l'autre, nous aurons à rendre compte. Alors ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation et je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci à vous. Alors, le vivre ensemble pour une fin glorieuse. Maman Rachel, nous allons commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous étayer les contours de ce thème. Bien, merci beaucoup, Maman Newman. Alors, le vivre ensemble, tel que moi je le comprends, c'est d'abord vivre, c'est exister. Mm-hmm.
exister en tant qu'être humain et dérouler le cours de sa vie, en quelque sorte. Et quand on parle d'ensemble, c'est un terme qui désigne plusieurs entités qui sont mises côte à côte. Alors, quand on parle de vivre ensemble, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est le fait de vivre en harmonie, de vivre l'un avec l'autre, mais dans une certaine harmonie. Et de cette harmonie, chacun tire un bénéfice. Donc, quand on dit vivre ensemble, c'est être, exister, mais exister en cohabitation et puis en harmonie. C'est ce que je peux dire pour le moment. Une vie de symbiose. Une vie de symbiose. Merci. Voilà. Maman, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter à ce que notre sœur Rachel vient de dire, je peux dire que vivre dans, ensemble, c'est vivre dans une société ou bien dans une cohabitation harmonieuse et entre des individus, ensemble dans la paix et pour la gloire de Dieu. Merci pour la gloire de Dieu. Et nous n'allons pas encore aborder le second concept qui est la fin glorieuse, parce que nous allons essayer d'aller et un peu plus loin avant d'en arriver. Mais la chute, c'est que cette vie d'ensemble va nous amener à une fin glorieuse, une fin qui va glorifier Dieu, qui va glorifier le monde dans lequel nous vivons et ceux parmi lesquels ou bien parmi qui nous avons vécu, pour que notre témoignage, quelqu'un a dit, c'est Niaoré, je pense, sauve une vie. Soyez bénis. Alors, si tel est le cas, nous allons rapidement voir, et vous avez parlé de vivre ensemble, vous l'avez défini, une vie en symbiose, une vie et en accord avec les autres et avec la nature que nous, dans laquelle nous vivons. Donc, est-ce que dès le commencement, il y avait quand même une vie d'ensemble? Nous allons commencer comme ça. Oui. Je peux dire que lorsqu'on lit le livre de la Genèse, dès le début, Dieu a commencé par créer les choses. Et ce qui m'a étonnée, c'est déjà à partir des animaux. Mm-hmm. Et la Bible a souligné le fait qu'il les créait mâles et femelles. Mm-hmm. Ce qui veut dire que Dieu même, dans sa nature, dans sa conception, comprenait que les êtres ne pouvaient pas vivre seuls. Il fallait que ces êtres soient accompagnés. Alors, après avoir créé tous les animaux, mâles et femelles, et il avait créé l'homme, ensuite il s'est rendu compte que l'homme n'avait pas d'être qui lui ressemblait. Et donc, c'est de là que la création de la femme est venue. Donc, je crois que dès le début déjà, dans la conception initiale, même du monde, Dieu avait déjà planifié le vivre ensemble. C'est ça. Parce que sinon, il aurait pu faire les animaux chacun de chaque espèce. Mm-hmm. Mais ce n'était pas ça son plan. Mm-hmm. Donc, dès le début, il avait déjà conceptualisé cette nature d'harmonie, de cohabitation, de vivre ensemble qui donne ou qui reflète qui il est en tant que Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Moi, Charité Khalifa. Oui, pour appuyer à ce que la sœur venait de dire tout à l'heure, nous disons que dès le début, Dieu a créé, comme elle venait de dire, les êtres ensemble, deux à deux, en couple. C'est ça. Et à un moment donné, il a senti qu'il y a un vide au niveau de l'homme. Et c'est en ce moment qu'il a dit non. Il faudrait qu'il y ait encore une ressemblance de l'homme et c'est de là que la femme a été créée. Mais ce qui m'a encore touchée de plus, nous allons voir dans Dieu lui-même, dans sa nature, il est dans la nature de la Trinité. Dans la Trinité qui dit que Dieu est le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, et il agissait ensemble dans sa Trinité pour opérer et manifester sa gloire.
C'est ça. Merci. Merci. Et je pense que c'est le verset 24. Non, c'est plutôt le verset 23 de Genèse 2. Oui. Et pour essayer de donner la lumière par rapport au verset que vous avez cité, je prends juste un seul verset. C'est pourquoi l'homme, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je pense que c'est le verset que vous avez cité l'une l'autre. Alors, ça voudrait dire que vraiment, cette vie de couple a commencé avec le Seigneur. Et donc, si nous revenons maintenant dans la société où nous vivons, si nous revenons dans le foyer d'abord, il y a eu un événement capital qui a maintenant uni cet homme et cette femme. Ou bien, je suis en train de délirer. Pas encore. Heureusement. Oui, Madame Khalifa. Oui, nous disons que dans le plan de Dieu, dans le foyer, et le plan de Dieu est que l'homme se trouve son être semblable, et d'où la femme a été tirée comme une son épouse, et qui ont fondé des foyers. Mais dans la grâce de Dieu, ou bien dans la manifestation de la puissance de Dieu, Dieu a dit qu'il faudrait que l'homme aille et se multiplier. Et quand Dieu dit de se multiplier, cela voudrait dire qu'il y aura des fruits qui vont sortir de ces deux personnes. Et que c'est ensemble qu'on peut se multiplier. Oui. Donc, cette question nous amène tout droit à notre troisième question, ou quatrième question, oui. Et donc, qui est appelé à vivre ensemble? Donc, c'est les hommes, ou bien, Maman Rachel, oui? Les hommes, surtout. L'homme et la femme. Et la femme. Et de cette union que nous appelons le mariage, vont naître des enfants qui vont continuer la lignée. Et vous allez remarquer, lorsque, à la création, Dieu a créé l'homme et puis la femme, c'est aux deux que Dieu a donné l'autorité sur la nature. Il a dit, voilà, il a dit dominer, multiplier, assujettisser. Il n'a pas donné cette autorité à l'homme seul, mais c'est à l'homme et la femme ensemble. Donc nous voyons quelle importance déjà Dieu donne au fait de s'unir pour vaincre les situations, pour dominer sur la création de Dieu lui-même. Comme vous l'avez dit, pour assujettir, les éléments de la nature. Car l'union fait la force. Voilà. Merci. L'union fait effectivement la force. Alors, si nous revenons dans le foyer, comment on peut vraiment vivre ensemble, comme vous l'avez dit, avec les enfants, si Dieu nous les donne, ou bien ceux avec qui nous sommes, nous partageons peut-être la même cour ou le même vestibule, le même toit. Comment pensez-vous qu'on peut vivre ensemble, comme vous l'avez dit, en cohésion, en collaboration, en symbiose, en harmonie, tout quoi? Merci beaucoup. Alors, j'avais voulu faire une illustration. Je ne sais pas si je peux utiliser vos éléments. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous prenez tous ces éléments-là, ils sont de nature différente et de forme différente. Maintenant, si on dit que nous devons les mettre ensemble, nous devons trouver un moyen pour que chaque élément se trouve à l'aise dans ce cadre. Il faut que le cadre soit défini de façon à ce que chaque élément puisse s'exprimer et s'épanouir dans le cadre. Donc, dans le foyer, en fait, l'homme et la femme ont été éduqués séparément. Ils ont grandi dans des milieux différents. Et maintenant, ils viennent vivre ensemble. Et il faut une certaine dose de tolérance, d'acceptation, de respect de soi. Et il faut également accepter le compromis. Ce n'est pas parce que je suis tel que je suis et donc je ne vais laisser aucune marge à mon prochain
Lorsque c'est comme ça, la cohabitation est compliquée. Mm-hmm. Donc, il faut que chacun prenne sur soi pour accepter l'autre et pour qu'ensemble, on puisse réellement arriver à cette harmonie-là. Ça, c'est la première étape. Je vais laisser ma soeur continuer. Et Maman Khalifa, oui, vous avez la parole. Je voudrais dire que dans le foyer, il faut une acceptation l'un à l'autre. Il faut le pardon. Il faut la tolérance dans le foyer, puisque chacun de vous a été éduqué d'une manière ou d'une autre. Et nous venons des différentes familles où nous avons reçu des éducations très différentes. Et pour être dans le foyer et pour que ce foyer soit épanoui, il faut qu'il y ait l'acceptation. Et le pardon. Merci. Et dans l'illustration de Maman Rachel Elimiasi, j'ai vu quelque chose. Elle a mis ensemble les deux carnets plus le portable sur la table. Et là, tous ces trois objets ont eu une place à rester. D'abord, il faut que dans ce vivre ensemble, chaque personne ou chaque objet puisse avoir la place de vivre librement, d'abord de s'épanouir ou de se développer dans la place qu'on lui donne. Exactement. Parce que si quelqu'un est resté un peu, si ça s'était resté comme ça, comme elle l'a illustré, je pense que on ne verrait pas. Il y aura chute libre. Oui. Donc chacun, je ne dirais pas s'est couché, mais a une place. Et d'abord, donc ce que vous êtes en train de dire m'amène à dire que d'abord, il faut que le toit, le local, le lieu où la personne se trouve, qu'il puisse quand même trouver la place d'y être avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, ceci va nous amener à la question qui suivra, excusez-nous. Et la question dit quoi? Est-ce que dans ce même foyer où nous avons accepté de vivre ensemble avec le tiers ou l'autre conjoint ou avec ceux qui sont avec nous. Est-ce que au même moment, quelqu'un peut choisir la vie de l'isolement? Alors, parce que sous prétexte, peut-être que je ne fais pas de problème, je reste à ma place dans mon coin pour éviter tout problème. Bon, excusez-moi. Oui, l'isolement crée plus de problèmes que le vivre ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons nous entraider. Si dans la maison, surtout, il y a des cohabitants, il y a des voisins, s'il m'arrive quelque chose dans ma chambre, je crie, quelqu'un peut venir à l'aide. Mais si je suis seule, il m'arrive quelque chose, je crie, je risque d'y rester. Et les études ont également montré que ceux qui se renferment souvent en eux-mêmes, qui ne vivent pas en société avec les autres, ont beaucoup plus de tendance à développer la dépression, le mépris de soi, l'anxiété. Parce que l'homme a été créé pour être social, pour vivre avec l'autre. Et vous allez voir, juste un exemple, lorsqu'il y a quelques années, il y a eu la crise de COVID et qu'il y a eu le confinement. Beaucoup de personnes qui étaient un peu âgées et qui n'avaient personne à côté et qui ont vécu dans l'isolement, ça s'est fini par des crises de dépression, du suicide et beaucoup de choses. Donc, selon moi, oui, certains sont morts. Parce qu'il n'y avait personne pour les assister quand ils en avaient vraiment besoin. Donc moi, je ne peux pas dire que l'isolement serait une façon, une solution à un problème. Parce que de toute façon, l'isolement est pire que lorsque vous êtes avec les autres et vous trouvez ensemble des moyens pour vivre ensemble. Ce n'est pas facile parce que nos caractères diffèrent. Nos comportements diffèrent, nos éducations diffèrent, comme Madame Khalifa l'a souligné tout à l'heure. Mais il faut trouver un compromis, un terrain d'entente. Et chacun doit donner de soi
pour que nous puissions arriver à cela. L'isolement fait vraiment du mal à l'homme. Madame Khalifa, oui. L'isolement, en fait, ne fait pas du bien. Non. Si nous retournons dans la Genèse, où Dieu, après avoir créé tous les êtres, les animaux, Dieu a senti que l'homme était seul et ce n'était pas bien. Et c'est là qu'il a dit non, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une aide qui lui soit ressemblée, qui lui ressemble. Enfin, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une joie. Donc, moi, je ne trouve pas que l'isolement peut arranger ou bien peut résoudre un problème. Peu importe le problème, d'ensemble, ce n'est pas l'isolement qui est la solution. Un pasteur a dit que celui qui veut rester seul aura plus de problèmes que celui qui veut rester avec les autres. Oui. Et le malheur dans ça, c'est qu'il y a certains qui fuient la compagnie des hommes. Mm-hmm. Maintenant, ils recherchent plutôt la compagnie des animaux. Parce que l'homme ne peut pas être seul. Si quelqu'un vous dit que lui va vivre seul quelque part toute sa vie, c'est un mensonge. Soit il va développer des relations avec des choses, des objets. Et là, ce n'est pas sain. Sain, S-A-I-N. Ce n'est pas sain d'esprit. C'est ça. Voilà. Donc, il vaut mieux vivre avec les êtres que Dieu a créés pour que nous vivions avec eux. Bon, merci. Ça, c'est dans le... Comment... c'est dans le couple, dans le foyer. Mais je voulais aussi abonder dans un sens là. Est-ce que c'est vrai que l'isolement peut être présentiel ou bien peut être manifeste? Et je me ferme dans ma chambre et mon conjoint, il peut partir sans moi, il peut se réveiller, partir, ou bien on peut être ensemble. Mais il y a une forme d'isolement qui est plus suicidaire, c'est le manque de communication. Ça, c'est encore un autre. Ça, c'est tout un débat à lui seul. Oui, juste quelques mots, quoi. Bon, vous commencez. Oui, s'enfermer seul et refuser de communiquer, ce n'est pas bien. Moi, j'allais dire, pourquoi Dieu a fait la bouche? C'est pour communiquer. Bon. Donc, Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas que de se mettre à l'écart ou bien de refuser de se communiquer. Au même moment, l'homme peut refuser de communiquer avec son prochain, mais intérieurement, il est en train de se communiquer. Ce que je vais dire par rapport à ça, c'est souvent c'est une arme que dans le foyer, nous essayons d'utiliser pour... exprimer notre désaccord ou pour exprimer notre frustration. Ouais. Mais ça ne résout pas le problème parce que la communication, elle n'est pas seulement verbale. Même en ne parlant pas, vous communiquez. Par votre comportement, par vos gestes, même par l'expression de votre visage, vous communiquez. Donc dire qu'on ne veut pas parler, donc on ne communique pas, moi je trouve que c'est un faux problème. Parce que même si vous ne parlez pas, le seul fait de vous déplacer, nous les femmes, nous connaissons beaucoup ça. Oui. Et nous communiquons de plusieurs façons. Même la façon de tourner les yeux, la façon de regarder l'autre, la façon de lorgner, est une façon de communiquer. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Et si vous voyez souvent dans les sociétés, dans les entreprises, la communication occupe une place importante. Parce qu'une mauvaise communication, tout de suite, peut amener à un mauvais résultat. Lorsque l'information n'est pas communiquée effectivement et à temps, ça peut tout de suite amener à d'autres résultats. Donc, la communication est essentielle pour la réussite dans le foyer. Merci. La communication est essentielle pour la réussite dans le foyer. Parce que celui qui ne communique pas, ça voudrait dire qu'il ne vit pas. Si nous vivons, nous devons communiquer. Effectivement. Est-ce que vous ne voyez pas que l'isolement, le manque de communication a amené ou bien les problèmes, certains problèmes dans le foyer
ont amené certaines personnes pour ne plus communiquer ou bien pour ne plus voir cet homme ou cette femme, a permis une autre forme d'isolement. Je ne vais pas appeler le nom, ce n'est pas l'abandon du foyer, mais quelque peu, c'est quelque chose comme ça. De toute façon, l'abandon du foyer, c'est-à-dire quitter carrément le domicile conjugal. Parce qu'on en a marre, on veut aller se reposer quelque part et avant de revenir. Parce que l'homme tacitine bien, l'homme vraiment, ou bien c'est la femme. Et on en a tellement. Si on ne fait pas ce petit tour quelque part pour se reposer, on risque de rentrer dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez appelé dépression. Bon, il y a des situations qui se règlent au cas par cas. Et moi, je trouve que tout problème a une solution, quel qu'il soit. Et il faut toujours chercher le nœud du problème, la source, et communiquer autour du problème pour trouver la solution. Parfois, trop communiquer aussi est un problème. Et c'est un reproche qu'on nous fait le plus souvent à nous, les femmes. Le bavardage inutile parfois est un peu agace parfois les hommes. Il faut être franche. Maintenant, ce n'est pas une raison pour quitter le foyer carrément. Lorsque vous quittez, il y a les enfants. Vous les abandonnez à qui? Même si c'est pour aller faire un temps, il faudrait que ces enfants, ça dépend de leur âge, qu'ils soient aux soins de quelqu'un. Si par exemple l'homme aussi quitte le matin et revient le soir, vous aussi vous quittez, vos enfants sont laissés à la merci de qui? Donc il y a beaucoup de considérations qu'il faut voir et prendre en compte avant de prendre telle ou telle décision. Bon, nous allons un peu bondir sur dans l'église. Nous sommes des sœurs et des frères avant d'être des mamans pasteurs. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez que vraiment le vivre ensemble dont nous sommes en train de parler, qui a commencé avec Dieu, c'est un ordre que Dieu a intimé à sa création et à sa créature. Et à la créature lui a donné l'autorité d'assujettir, de dominer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et pour pouvoir diriger son peuple dans son église, dans sa juridiction, je vais dire, dans son obédience ecclésiastique, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part aujourd'hui, nous craignons tellement des problèmes, même dans l'église, chacun, juste après le Maranatha, prend son sac, il y a cette perte de vie d'ensemble, de communion fraternelle, d'être ensemble, de partager les uns les autres des problèmes pour éventuelles solutions à donner aux uns aux autres. Je vais laisser. Oui, nous remarquons cela dans nos églises. Et c'est plein. C'est plein. C'est plein aujourd'hui dans nos églises où chacun cherche à s'isoler. Moindre problème qui peut être résolu, chacun prend son côté. Et très souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est ensemble qu'on peut le faire. C'est ensemble qu'on peut arriver. Seule personne ne pourra réaliser quelque chose qui va glorifier le nom du Seigneur. Donc, dans les églises aujourd'hui, nous voyons de tels cas où chacun prend sa position. Parce qu'il y a eu un problème avec tel, donc je me mets à l'écart pour ne plus tomber dans ces mêmes problèmes. Donc chacun prend sa position. Alors que dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Et si nous voyons dans le livre de Genèse, le chapitre 11, la Bible dit que les hommes de ceux qui étaient dans la tour de Babel, ils étaient ensemble. Et
Dieu a dit, allons et voir ce qu'ils sont en train de faire. Et à la surprise de Dieu, c'est que tout ce que les hommes faisaient, ça leur résistait parce qu'ils étaient ensemble. Ils avaient un même langage. Et tout ce qu'ils disaient, ça réussissait. Donc, on peut même de supplanter Dieu. Oui. Donc, aujourd'hui, dans les églises, il y a ça. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Nous pensons que c'est la meilleure solution, mais ce n'est pas la meilleure solution. Et moi, j'allais dire que c'est l'ennemi qui veut parfois diviser pour pouvoir régner dans les églises. Dans les églises. Et si nous revenons dans le verset de Psaume 133, le verset 1 à 3, Dieu a dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Donc, je dis très souvent que peut-être que ma bénédiction se trouve chez l'autre, chez ma sœur qui est à côté de moi, et que je suis appelée à vivre avec elle. Le vivre ensemble avec ta sœur, oui, va pour partager ce que le Seigneur a mis en elle. C'est ça. Donc, ma bénédiction peut dépendre de la sœur qui est à côté de moi. Donc, si on n'est pas ensemble, comment est-ce que cette bénédiction peut y arriver? Vous êtes en train de venir sur les avantages de vivre ensemble. Alors, maman Elimiasi, est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on arrive? Oui. On va lire le verset et on va tirer des conclusions sur les avantages. Oui. C'est bizarre parce que j'avais Tour de Babel sur ma feuille également, mais elle en a déjà parlé. Je dis que c'est une guerrière spirituelle, c'est une vraiment spécialiste. Hein? Alors, moi, je vais aller dans le Nouveau Testament, dans Actes 2, le jour de la Pentecôte. Yes. La Bible dit que les apôtres étaient ensemble, les disciples étaient ensemble, ils priaient. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et dans Actes 4, 30, également, il y a un fait là-bas. La Bible dit que ceux qui avaient cru étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Et ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. Et vous allez voir que lorsque la persécution est arrivée, ils se sont regroupés, ils ont prié, et le lieu où ils étaient a tremblé. C'est ce qui prouve et montre la force des enfants de Dieu quand ils sont unis par le même objectif et dans le même esprit. Maintenant, moi, ce qui se passe aujourd'hui que je vais souligner peut-être, est-ce que dans nos églises, tout le monde a vraiment cette nature chrétienne? Parce que, n'oublions pas, il y a le divisé pour régner dont Madame Khalifa a parlé tout à l'heure. L'Église est aussi infectée d'éléments qui ne sont pas vraiment là en tant que soldats de Christ ou enfants de Dieu et qui sèment ce genre de zizanie. Ils ne sont pas régénérés. Ne sont pas nés de nouveau. Et ce sont leurs comportements maintenant qui découragent les enfants de Dieu. Lorsque, par exemple, j'ai eu un souci, je viens vers Madame Charité et je lui narre mon souci et je lui demande de prier avec moi pour qu'on trouve une solution. Deux jours, trois jours après, j'apprends mon problème chez d'autres voisins et je vais ailleurs, j'apprends encore. Demain, si j'ai encore un souci, j'aurai de la peine à m'approcher de vous parce que je me dis ce que je vous ai confié comme confidentiel, vous l'avez divulgué partout. Donc, c'est un peu ce genre d'incident qui amène les fidèles maintenant à se recroqueviller dans leur coin parce qu'ils ne veulent pas provoquer d'autres incidents. Mais moi, je dis que tout cela, à la base, vient du fait que beaucoup ne sont pas régénérés. Beaucoup sont des participants de l'Église, des pratiquants de l'Église, mais ne sont pas vraiment nés de nouveau. Sinon, si vraiment on avait l'Esprit de Dieu, cette communion qu'il y avait au temps de la Pentecôte, au temps des apôtres, je ne vois pas. Et lorsque la Bible dit que lorsque deux ou trois personnes s'unissent pour prier, pourquoi la Bible n'a pas dit quand tu es seul pour prier, elle a dit deux.
De deux, déjà, c'est ensemble. Mmh. Et vous avez le même objectif. Le même esprit vous conduit. Mmh. Vous priez par rapport à un sujet, le Saint-Esprit... prend le devant. Voilà. Le feu. Mais aujourd'hui, même quand on est deux, ou on est trois parfois, on a tellement de choses les uns contre les autres que le Saint-Esprit a du mal à se manifester. Mmh. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, maman. Et je pense que vous avez cité... beaucoup de versets, mais juste pour rappeler aux uns et aux autres le psaume dont maman Khalifa avait fait mention dans psaume 33, 133, versets 1 à 3. C'est des petits versets, on va les lire. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui... descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Je pense qu'il est de bon ton que nous puissions revenir aux anciens sentiers, quel que soit ce qui arrive. C'est vrai que l'adoration est superficielle. Les gens sont venus pour des intérêts personnels. Je suis venu chercher Marie, je suis venu chercher tel, je suis venu chercher tel. Mais la vraie vie de consécration par rapport à notre appel d'être chrétien, c'est cela qui manque et que vraiment... Et c'est ici le lieu, nous sommes à la RTJVA, nous sommes ici dans l'émission Éco-épouse de pasteur, Éco-pasteur, nous sommes là juste pour amener les uns et les autres à nous ramener sur les anciens sentiers. Comment nos aïeux, nos aînés, nos patriarches ont adoré et qu'il y a eu des merveilles, des miracles, des prodiges et que nous avons aujourd'hui et la grâce d'en bénéficier sous cette parole qui est le code spirituel, le code de Dieu, le code, la Bible, la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions vraiment revenir aux anciens sentiers. Alors, juste quelques mots, les avantages, si nous prenons la société, l'Église est déjà une société, c'est les familles. Si les familles ne sont pas bien bâties, c'est une Église aussi médiocre, une Église qui ne pourra pas aussi tenir. C'est d'abord les familles, d'abord les Églises et la société et les nations. Mm-hmm. Je ne veux pas parler des nations. Et entre griffes, les nations païennes, je parle des nations, les pays, les continents dans lesquels nous sommes. Oui. Les avantages du vivre ensemble. On dit souvent que l'union fait la force. Oui. Et je crois qu'à travers la plupart de nos interventions, nous avons déjà amorcé certains avantages. Oui. Donc, ce que moi je vais encore dire, c'est que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts contre, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes plus forts contre les attaques de l'ennemi, nous sommes plus forts contre les vents qui viennent de l'extérieur, parce que l'Église, disons-le, est en train de vivre les derniers moments, qui sont des moments assez compliqués, des moments difficiles, et notre unité et notre vivre ensemble va nous aider à surmonter beaucoup de difficultés. Et lorsque on est ensemble, nous pouvons bénéficier de l'assistance des uns et des autres. Mm-hmm. Lorsqu'on est ensemble, l'Église, le Saint-Esprit a doté chacun de dons. Et nous pouvons bénéficier des dons les uns des autres. Mais quand je suis seul et que le don dont j'ai besoin, par exemple ma sœur a le don de guérison, je ne vais pas en bénéficier parce que je ne suis pas en communauté, en communion avec elle. Et nous bénéficions également de soins. Lorsque nous sommes ensemble, l'aide, l'entraide entre voisins, entre membres d'une même communauté. Donc ce sont quelques-uns de ces avantages que je peux donner pour le moment. Oui, Madame Khalifa. Oui, pour les avantages, on peut aussi nommer que lorsqu'on est ensemble, il y a la joie de vivre ensemble, la joie de partager. Il y a l'épanouissement. Lorsque on est demandé à être ensemble ou bien à obéir à la parole de Dieu qui nous interpelle de vivre ensemble. Donc, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages.
lorsqu'on est ensemble, il y a les bénédictions de Dieu, il y a le partage entre nous, il y a la joie, et on est épanoui. Et l'Église devient fort. L'Église devient fort. Et comme on a l'habitude de dire dans nos adages, qui dit que c'est ensemble qu'on met le pirogue sur l'eau. Donc, quand on est ensemble, on devient fort. Et on arrive à réaliser le plan de Dieu dans notre vie. Amen. Même, je pense que sur le plan, je voulais dire, sur le plan physique, sur le plan, c'est un mot qui m'échappe, séculier, si on peut le dire, sur le plan, on voit que même les bailleurs de fonds ont plus confiance au regroupement. Et quand un regroupement se pointe dans une microfinance, on a plus confiance et vite, on les alloue ou accorde des crédits pour qu'ensemble, ils puissent mener peut-être une activité génératrice de revenus qui puisse les aider. Spirituellement, je pense que nous en avons même plus besoin pour que cela puisse générer beaucoup de bénéfices pour ceux-là avec qui nous sommes ou bien avec qui nous collaborons ou nous sommes ensemble pour le vivre ensemble. Alors, si j'ai fait ce parallélisme, c'est que aujourd'hui, excusez-moi, il y a un ministère qui manque dans l'Église. Il était là depuis le bon vieux temps, depuis les ancêtres, le ministère de visite. L'autre qui n'est pas là, on s'en fout. Mais Jésus-Christ était prêt à abandonner 99 brebis pour aller rechercher la seule brebis qui était égarée. Parce qu'il fallait que la seule brebis soit là pour que Jésus dise, voilà ceux-là que tu m'as donné, je te les représente. Qu'en dites-vous, les mamans pasteurs? C'est un problème qui est très ressenti dans l'Église aujourd'hui parce que, et je ne sais pas si c'est un signe des derniers temps, mais nous sommes devenus de plus en plus égoïstes. Et l'intérêt personnel prime sur l'intérêt général. Alors, au début de la foi chrétienne, bon, au début, quand nous, on avait commencé petitement, il y avait des séances et il y avait des groupes qui allaient rendre visite à ceux-là qui n'étaient pas déjà au niveau de la jeunesse. Lorsque vous venez à la réunion et qu'il y a des absents, ce n'était pas au moment où il y avait les téléphones portables, les smartphones et on peut faire WhatsApp et appeler quelqu'un. Il fallait se rendre chez la personne pour se rendre compte de ce qui arrivait à la personne. Mais aujourd'hui, nous avons des programmes tellement chargés, chacun est tellement occupé. Il y a des gens, des frères que nous ne voyons pas pendant des jours, des dimanches entiers, mais personne ne s'en soucie, personne ne demande si ces gens-là sont en vie ou pas. C'est vraiment un problème dans nos églises aujourd'hui et je crois que chacun, nous devons vraiment trouver une solution. Au niveau du groupe des femmes, par exemple, nous avons des subdivisions. Et dans ces subdivisions-là, chacune des femmes au sein de ce groupe sont responsables des autres. C'est-à-dire, si nous venons à la réunion des femmes aujourd'hui, et dans votre groupe, vous ne trouvez pas la sœur X, il est de votre responsabilité d'aller rendre visite à la sœur et de venir rendre compte au comité des femmes pour que nous sachions si la sœur a besoin d'assistance ou pas. Et donc, c'est ainsi que nous avons établi ce principe au niveau du groupe des femmes. Donc, pour le moment. Merci, maman. Et merci, maman Khalifa. Vous avez quelque chose encore à dire? Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'intérêt personnel qui joue dans les églises. L'intérêt personnel. Et en plus, il y a aussi le manque d'amour. C'est l'amour qui peut pousser à aller rendre visite à ton prochain.
Lorsque tu es dans l'église où tu es arrivé, ou dans la semaine, tu n'as pas vu une telle personne qui est arrivée, c'est l'amour pour la personne maintenant qui va te pousser à le chercher. Vois qu'est-ce qui ne va pas avec telle personne et la personne n'est pas arrivée. Mais aujourd'hui, on s'en fiche. Que la personne soit là ou ne soit pas là, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème. Et ce que nous avons l'habitude de dire, que c'est, nous sommes venus auprès de Dieu et cela nous suffit. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas séant en tant que chrétien de nous abandonner, de nous abandonner. Bon, c'est la même chose aussi avec les pasteurs. Est-ce que vous ne voyez pas que et aujourd'hui, cette vocation d'appel de Dieu qui est le pastorat est en train de prendre une allure du professionnalisme, du... Oui, c'est ma profession, c'est... Bon, qui est venu, il est là. Qui n'est pas venu, ce n'est pas mon problème. On se rencontre le dimanche. Dimanche. Et après dimanche, bon, qui fait quoi? On se dit au revoir. C'est parti pour dimanche. Est-ce que vous n'avez pas un mot? Oui, ça fait partie des mots de l'Église, de ces derniers temps dont on est en train de parler. Ce n'est pas ce que la Bible recommande, ce n'est pas ce que Dieu même recommande. Et comme vous en avez parlé, les brebis, toutes les brebis sont importantes. Il n'y a pas telle brebis qui est plus importante que l'autre. Et donc, normalement, ça ne devrait pas être ainsi. Et il faut que nous revenions à de meilleurs sentiments et que nous sachions, nous mettions en place des structures, des groupes qui peuvent réellement s'occuper de ces cas-là. Parce qu'il y a tellement de programmes dans les églises aujourd'hui aussi qu'on n'a même plus le temps pour des choses essentielles, des choses de base, de début. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse table rase, qu'on retourne en arrière et qu'on voit ce qu'on peut faire pour montrer l'amour et la compassion de Dieu à nos frères qui sont dans le besoin. Merci. Je pense que Jésus-Christ, avant de quitter sur la terre, nous a montré un exemple. Ce n'est pas rien qu'il a pris le dernier repas avec eux. Ce dernier repas, il a beaucoup de signification spirituelle. Il a dit, en le faisant, d'abord, vous rappellerez de moi et le monde saura que vous êtes à moi et vous le ferez à tout moment. C'est-à-dire que périodiquement, à tous les moments, à toutes circonstances, on le fera pour dire que la communion fraternelle doit être toujours en lettre d'or dans nos vies. Nous devons être ensemble et nous devons nous visiter et connaître nos problèmes, si possible, si nous pouvons, comme tu l'as dit, apporter des aides, s'entraider entre nous. Cela attirera le monde en le faisant. Ceux qui sont du dehors sauront que vous êtes les miens et s'ajouteront à vous. On est en train de me dire que mon temps est presque à terme, mais je devais vraiment... Et je pense qu'il y a quelque chose que, avant le mot de fin... Est-ce que ma vie a besoin, et je vais parler de l'interdépendance. Est-ce que l'interdépendance, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit et dans le quartier où je vis, dans la cité où je vis ou dans le pays auquel j'appartiens, l'interdépendance à sa place? Oui, moi je dirais complètement, nous dépendons les uns des autres. Et l'illustration, la très belle illustration que la Bible a donnée, c'est le corps humain. La Bible dit que l'Église est comme un corps. Les parties du corps sont différentes, elles ont des rôles différents, mais elles constituent un tout. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas interdépendant. C'est un peu comme un puzzle. C'est quand vous prenez, vous agencez les éléments, ils forment un tout. Et quand vous les détachez aussi, ils se retrouvent chacun son élément. Donc, cette illustration que Paul a donnée par rapport à l'Église est
vraiment parlante. Et c'est pareil dans la société, nous sommes interdépendants. J'ai quelque chose que ma sœur n'a pas, ma sœur a quelque chose que je n'ai pas, et nous bénéficions les uns des autres, et nous nous complétons, en fait. Et de complémentarité. Voilà. De complémentarité. Oui. Bon, avant de vous donner la parole, d'aborder dans ce sens, parce que le temps nous fait défaut, et pourquoi nous voulons vraiment toucher ce côté avant la fin? C'est que aujourd'hui, l'Église a tendance, comme je l'ai dit plus haut, ou bien précédemment, à même les responsables ou les membres de l'Église ont tendance à croire que je suis venu de moi-même. Si je suis, je viens, je viens. Si je ne viens pas, personne n'a le droit de poser des questions sur ma vie. Même ce ministère de visite que nous faisons. Tu vas aller chez quelqu'un, il te dira, ça fait longtemps, vous n'avez pas vu, nous sommes venus voir, oh, c'est moi-même. Si nous prenons le vernaculaire du Sud, c'est pas ça la vie d'ensemble. Oui, c'est justement c'est ça que je voulais que vous attardiez dans vos éléments de réponse. Oui, nous disons que c'est très important. C'est très important de vivre ensemble, de vivre ensemble. Parce que, tout d'abord, mon prochain, c'est moi. Et moi, c'est lui. Et nous sommes là pour se compléter. Donc, le fait de dire « je ne suis pas venu », bon, c'est moi-même, ou bien c'est mon problème, ça ne regarde qu'à moi seul, c'est une fausse raisonnement. Peut-être, comme la sœur venait de dire tout à l'heure, nous sommes le corps de Christ et chacun un membre. Et nous nous retrouvons ensemble maintenant pour se compléter, pour que l'objectif de Dieu soit atteint dans le corps. Maintenant, si on se sépare, chacun passe de son côté, je ne pense pas que ce corps-là serait bien portant. Madame Rachel voulait ajouter quelque chose avant qu'on aille. Oui, Hébreux 10, 25, la Bible dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Et je reviens encore au temps de COVID que j'avais dit. À un moment donné, on ne pouvait même plus se rendre physiquement dans les lieux de culte. Et lorsqu'après on a repris, nous avons vu, ça agit sur l'Église. Ça agit sur l'état spirituel de beaucoup. Parce que c'est beaucoup abandonné même la foi. C'est lorsqu'on se retrouve ensemble que le feu là est là, que le Saint est comme le psaume l'a dit. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là que Dieu se manifeste. Donc, ceux qui souvent pensent qu'en étant seuls, ils peuvent résoudre leurs problèmes, franchement, je pense que c'est plutôt recréer d'autres problèmes. Et que nous devons être ensemble pour bénéficier de la grâce que Dieu... Il y a des grâces individuelles et des grâces collectives. Il y a certaines bénédictions que Dieu envoie seulement lorsque vous êtes ensemble. Et vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous pouvez être le plus spirituel de toute la terre. Vous ne pouvez pas en bénéficier si vous vous isolez des autres. Donc ces grâces-là sont données quand vous êtes en communauté avec les autres frères. Merci, Maman Rachel. Je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres sur le ministère à l'Église. C'est un appel. Ce n'est pas une volonté permissive. Je fais ceci. Vous avez reçu l'appel. Et d'abord, le premier appel, c'est d'appartenir à Christ. C'est d'appartenir au corps de Christ. Et parce que beaucoup sont dans le monde, ils ne sont pas encore dans la bergerie, encore chrétiens. Donc nous avons des implications ou des exigences de la part de notre Seigneur. Pour dire que quoi? Pour dire que si nous avons accepté d'être ensemble, demeurons ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'avons pas pu toucher la fin glorieuse parce que le temps est à son terme, et je pense que si Dieu nous donne encore la grâce, nous pouvons encore abonder dans ce sens. Pour dire que quoi? Pour dire que
que le ministère pastoral, que le ministère de l'assistanat, que le ministère du diaconat, que le ministère d'un département ne soit pas un ministère professionnel. De grâce, que le Seigneur nous aide. Nous sommes tous dedans, moi-même qui parle. Je n'ai plus le temps comme je le faisais avant. Que nous puissions prendre soin des brebis que le Seigneur nous a données. Si les diacres sont là, aux côtés du pasteur, si le pasteur aussi est là, avec son assistant ou seul, avec les diacres, que les départements, au moins une fois ou deux fois dans le mois, puissent faire des visites et voir, même si tu arrives quelqu'un à l'air de ne pas t'accueillir, tu es au moins allé. Le Seigneur saura qu'il a dit que quelqu'un était malade, quelqu'un avait soif, quelqu'un avait faim. Et vous n'êtes pas venu ou vous êtes venu. Si vous êtes venu, Dieu le saura, dit que comme vous l'avez fait aux autres, vous m'avez fait cela. Donc, si Dieu a mis des responsables aux côtés du pasteur et il a mis des responsables dans des départements, c'est qu'il a vraiment... Il veut que nous soyons toujours ensemble. Donc, de grâce, qu'on ne soit pas, qu'on soit pasteur, élève pasteur, quoi que ce soit, qu'on laisse ce type de profession que je veux, dans lequel je veux adhérer, que je sois pasteur comme une profession, ou bien diacre, oui, je suis là les dimanches, non, au-delà. Que nous soyons des serviteurs de Dieu et des serviteurs les uns pour les autres et lavons-nous les pieds les uns les autres et soyons ensemble comme en Psaume 133 pour que le vivre ensemble continue. Et si quelqu'un s'est égaré, laissons les 99 brebis, allons rechercher la brebis égarée, ramenons-la puisque Dieu va nous demander le compte de cette seule brebis. Que le Seigneur nous aide et je pense que et Dieu nous aidera. La prochaine fois, nous allons aborder dans la fin glorieuse, lorsque nous vivons ensemble, parce que nous aurons à rendre compte. À la fin des temps, c'est le compte rendu. Si tu es agréé, tu rentres. Si tu n'es pas agréé, tu es dehors. Mais tout ce que nous faisons, toutes les cantatas là, ça va rester ici. Ce que nous aurons, notre service, notre adoration nous amènera auprès de notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Je pense que nous sommes à terme de notre émission. Merci à vous, Inox Infeluna. Merci à vous, Abacho, et toute la partie technique. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, bye bye.